Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous voici de retour sur Roblox. Et oui, vous l'avez été vraiment extrêmement nombreux à redemander une vidéo dessus. Franchement c'était avec grand plaisir, c'était incroyable vraiment le retour qu'il y a dessus. Je tenais à vous remercier parce que je m'attendais pas à avoir un retour aussi énorme. Vraiment, pour moi c'était l'idée vraiment de changer de vidéo, de changer de style, de faire un truc complètement différent. Je m'étais tellement amusé dessus et finalement ça a été complètement réciproque. Et ça fait vraiment extrêmement plaisir. Merci à tous, c'est vrai que sur la première vidéo on a dépassé les 13 000 likes, ce qui est absolument énorme. Du coup, si vous voulez plus de vidéos sur Roblox, nous voici de retour dessus. Faites péter les likes, mon petit pote. Faites péter les likes. Alors, la dernière fois, j'avais testé Recoil, qui est absolument génial. Faudra que je continue dessus d'ailleurs pour débloquer un petit peu le balista et tout ci, tout ça. Mais il y avait un autre jeu que j'avais en tête pour tester aujourd'hui. C'est Frontline Demo. Et apparemment, les armes qu'on a dessus sont aussi réalistes que sur MW 2019, par exemple. Tu vois, c'est incroyable de dire sur un jeu comme Roblox, un jeu qui est gratos, je le répète, hein, t'as juste allé sur Roblox.com, tu télécharges un petit truc et boum, le jeu se lance direct, et derrière t'as un jeu avec des graphismes qui, sur l'arme, ils sont vraiment stylés. Après, le jeu dans l'apparence c'est du Roblox, c'est à dire que les personnes, bah là c'est des petits carrés et tout, mais qu'est-ce qu'on s'en fout si le fun est là. Et vous avez été vraiment très nombreux à me proposer d'autres jeux. N'hésitez pas en tout cas à continuer à suggérer des jeux en dessous de la vidéo par commentaire en disant Skyros, ce jeu là c'est une dinguerie, faut absolument que tu testes. La dernière fois on m'a proposé pas mal de trucs, je vais aller jeter un oeil, mais il y avait celui là que j'avais vraiment vu, on va les tester les amis sans plus attendre. Poum, c'est parti. Regarde, tu cliques dessus, lancement du jeu, t'as rien à télécharger, t'as pas un truc genre de 15 000 gigas et tout. C'est ça qui est fun, c'est-à-dire que t'as plein de jeux différents en style un petit peu Roblox, mais là vous allez voir que les armes, bah elles sont réalistes quoi. Genre je crois, si je me trompe pas, que c'est le FPS le plus réaliste qu'on ait sur Roblox. Mais voici, je suis level 1, spawn, deploy, qu'est-ce qu'on peut là? On peut acheter des trucs? Ah non d'accord, je peux rien faire pour l'instant. Deploy. Ah, l'arme a pas trop chargé. Ok, ça a chargé. Eh, on dirait la Honey Badger, non? Est-ce qu'on a inspection des armes? J'ai pas l'impression. Ah, c'est un allié. Regarde comment elle est bien faite l'arme. Mec, c'est pas ouf! Alors après, les persos, voilà, c'est du perso Roblox, quoi. Normal. Mais les graphismes, regarde! Genre, c'est trop stylé pour... Y'a rien à télécharger, tu vois, juste tu lances le jeu, bam, ça se lance direct, et c'est du fun, quoi. Et alors, le jeu, il est en démo actuellement, donc c'est-à-dire que t'as même le sprint tactique, t'as la glissade... Et mec, c'est incroyable. Allez, hop, premier kill. Et y'en a un autre, là. Je crois qu'il est mort ou quoi? Je sais pas. Alors, j'ai pas l'impression qu'on puisse choisir sa classe tout de suite. Peut-être qu'on pourra le faire après. Où est-ce qu'il est? En dessous? Non? J'ai cru voir un gars. Non, ça c'est un allié. Il y a un ennemi qui est là-haut. Ok. Aïe! Allez. Oh, victory. Bon, c'était court, mais c'est vraiment histoire de se mettre un petit peu. Mais la musique, elle est stylée! C'est genre vraiment Modern Warfare 2019 version Roblox. C'est ça. Parce que... T'as le style Roblox au niveau des persos, mais les graphismes du jeu. En fait, c'est incroyable de dire un jeu comme As, il est gratos et tu peux y jouer direct. T'as pas besoin de télécharger quoi que ce soit, quoi. Domination, porte, canyon. Canyon a l'air sympa, bon, c'est celle qu'on vient de faire, mais... Bah, tout le monde a l'air de voter là-dessus, on va faire ça. Aïe, ça fait plaisir, mec. Vraiment, définitivement, faut que je fasse plus de vidéos. C'est incroyable, quand même. La dernière fois, le jeu que j'avais fait était vraiment kiffant. Celui-là a l'air d'être vraiment ouf aussi. Je suis sûr qu'il y a d'autres petites perles comme ça. On n'imagine même pas, mais vraiment stylé. Je crois que peut-être qu'il faut monter en XP pour pouvoir choisir ses armes ou quoi. Peut-être, j'imagine. Deploy. Oh, j'ai la petite MP5. Donc pour l'instant, les armes sont aléatoires. Mais c'est ça, c'est du MW version Roblox gratos. Aïe, le kiff, mec, le kiff. Attends, lui il est mort. Bien joué. Oh, même la kill cam et tout, comment c'est trop stylé. Mais regarde. Mais mec, c'est... C'est MW. C'est MW. Ah mais en fait, tu changes d'arme à chaque fois que tu meurs. Ah, je pense dans un premier temps, quoi. Ok. Bah attends, il y avait un mec là. En tout cas, je l'avais vu sur la minimap. Ouais, il est là, derrière. Wow, mais attends, mais combien de balles il faut lui mettre, le gars, là? Ils ont l'air vénère en face. Oh les gars. Bon, il a quoi lui? Bon, du coup j'ai pas de snipe forcément parce que je peux pas créer ma classe. Peut-être qu'à un moment donné on va en avoir un. Je serais curieux de voir quand même la liste des snipers du coup. Je serais curieux de ça. Attends, on va essayer de prendre. Bon, on a pris C. La map je la reconnais pas parce que c'est vrai que quand j'avais testé Recoil, on avait vraiment les maps de Call of, tu vois. Il y avait Rust, il y avait Dome, etc. Là je sais pas s'ils ont repris des maps qu'on connaît ou est-ce que ça va être vraiment en mode... Full freestyle avec des trucs nouveaux. Oh là là, c'est compliqué. Ah, c'est chaud là. Y'a un gars là. Allez. Tu es mort, tu es mort, tu es mort. Je sais pas quand est-ce qu'on monte en expérience ou quoi. Ah, y'a des gars là-haut.
Oh, le double kill! Incroyable! Reprends ta santé. Ok, ok, encore un petit kill. Ah, c'est bon. Je suis curieux de savoir, est-ce que pour l'instant on peut créer ces classes ou pas? Mais en tout cas, le jeu est bueno, hein. Alors, en termes de sensation, quoi. Je veux dire, t'as le spin tactique, t'as la glissade. Bon, la map, elle est un petit peu obscure. Et c'est vrai que l'autre avait l'air d'être un peu plus intéressante. Je sais pas s'il y a d'autres maps, parce que pour l'instant, c'est qu'une version démo. Ah, porte. Ah non, y'a que ça. Parce que j'ai vu qu'il y avait des Battle Royale, genre des trucs genre plagiat Fortnite à ouf, mais genre Fortnite version Roblox. Faudrait que j'aille tester ça. En fait, j'aimerais bien voir s'il y a moyen d'avoir un petit snipe ou quoi. Tu vois, je suis toujours level 1. Genre, y'a pas moyen de plus en fait. On reste assez bloqué, on reste assez limité encore. Mais c'est que la version démo, donc peut-être que ça fonctionne bien, on va savoir. Avec un peu de chance, on aura un peu plus, quoi. Mais cette map là est plus intéressante en tout cas. Après, s'il y a que ça, pour l'instant, c'est vrai que ça reste assez limité, mais. Ok. On est bien. Non. What? Et c'est pas moi qui l'ai eu, le gars. Ah! Glisse! Ok, on fait pas le tour par là, parce que malheureusement, ça, je crois que je meurs. Bon, t'as pas de voix d'annonceur, tu vois. Je trouve qu'au final, celui que j'avais testé avant, la dernière vidéo, Recoil, était mieux, était plus intéressant, plus abouti. Tu sais, t'avais les créations de classe, t'avais les voix, t'avais plusieurs maps, etc. Là, ça reste assez limité encore. Mais attends, mais je me fais voler mes frags! C'est pas possible! Non! J'adore voir les persos comme ça. Non, attends. Après, je suis clavier souris, hein, forcément. Ouais, non, mais mec, c'est de l'arnaque, là. Mais quoi? Non, mais je me fais beubard. Attends, genre, je fais que 4 kills. Pardon, mais tu... Non, mais c'est... Non. C'est du vol. Ah! Oula. Attends, à droite. Voilà, recharge. Comment on fait pour les flashs? Ah! Non, c'est peut-être, je sais pas sûr. Le dieu. Pour moi, je suis... Non, t'as l'impression que le gars, il est mort devant moi, il a fait... Oh! Crise cardiaque. Ah, il y en a un là-haut. Grenade! Ah, je fais les voix parce qu'il y en a pas. Oh la grenade! Ouh. Non, dommage, j'avais l'enchaînement de 4! En fait, c'est ça qui est kiffant, c'est que t'as un jeu, je le répète, hein, qui est gratos, qui se télécharge même pas en fait, ça se joue instant. Donc j'imagine que t'as pas besoin vraiment d'un gros PC pour y jouer, ce qui est bien parce que tout le monde n'a pas un gros PC pour jouer au jeu. Et derrière, bah. Y'a pas de prise de tête quoi, enfin presque pas. Juste quand on vole les kills! Et qu'on arrive pas à tuer les gars. Mais sinon, mais c'est des jeux genre sans prise de tête, c'est des jeux fun, tu vois, il y a une tonne, donc c'est cool. Vraiment, je suis tellement content d'être venu là-dessus. Ça te donne une autre perspective, en fait, du jeu. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que je vois, hein, t'as 2-3 armes, 2 maps, ça change à chaque fois. C'est cool, vraiment, d'avoir ce jeu vraiment en mode bah, MW réaliste, quoi. Après, ça reste qu'une démo, en vrai. Ça reste qu'une démo. Par contre, on me vole les kills, c'est inadmissible. Ça reste qu'une démo. Je sais pas quand est-ce que c'est prévu, je vais regarder un peu si c'est prévu que ça sorte pas longtemps la version finale, je sais pas comment on peut appeler ça. Je pense qu'au final, quand le jeu sera sorti, il y aura moyen de personnaliser les armes comme sur MW en réalité. Hein. Mais le potentiel est là. Là, tu vois, le style, le gameplay, la fluidité, la prise en main, vraiment très bonne. C'est-à-dire qu'en définitif, tu peux vraiment te déplacer. C'est vraiment Modern Warfare version Roblox, quoi. Littéralement. Après, c'est qu'une démo. Donc on peut pas encore créer la classe, en tout cas ce que je vois. Attends, King of the Hill, je suis curieux de voir quand même. King of the Hill, c'est quoi ça, King of the Hill? Normalement on pourrait genre créer la classe et genre acheter des trucs. On monte pas de level, rien du tout, etc. Donc vraiment c'est très limité, 2 maps.
Et les armes, il y a 2-3 armes qui sont mises d'une façon aléatoire. Et c'est tout quoi. Et là, comment que ça marche là? En fait, c'est un match à mort quoi, non? Ah non, il y a un H. Ah, c'est genre. Peut-être. Attends. Point stratégique, ouais. Je pense que ça va être un truc comme ça, non? Ou genre, faut prendre le H. H, c'est le hill, tu vois, comme la colline. Genre, en gros, faut capturer le hill. Ouais, c'est ça. Je le vois comme ça, ouais. Ok, ça fait du sens. J'étais déjà là, pigeon. Mais je serais curieux qu'on ait un petit snipe quand même. Ce serait bien, non? Juste pour voir. Ok. Le shoot! Allo, SOS shoot! Oui! On a une petite. Attends. On a une grosse urgence, mon pote! Ouais. Tu viens? Ok, à tout de suite. N'hésitez pas, si vous avez des problèmes comme ça, appelez SOS shoot. Normalement ça fonctionne, après ça dépend, s'il l'envoie par chronopost, tu peux attendre longtemps. Et souvent même si t'es chez toi, ils vont dire ouais non, on est passé, y'avait personne tu vois. Mytho, y'a... Même en pandémie ils l'ont fait, c'est... Genre t'étais obligé de rester chez toi parce qu'il y avait le couvre-feu et tout. Ah non, je suis passé, y'avait personne. Oh, elle est bonne celle-là. Ma grenade. Oh, ça va. Ah merde! Je sonnais à la porte, y'avait personne! Mec, j'ai pas bougé de chez moi! Je suis un gamer, je suis un cafard! Tu crois que je bouge de chez moi ou quoi? J'ai frappé à la porte, y'avait personne, enfoiré quoi! Je suis chez moi depuis 72 heures, j'ai même pas mis le pied dehors! Ok, ça c'est bon. En vrai, elle est intense hein! Tu vois, autant le recall c'était genre plus détente, plus fun. Là, tu sens que ça tryhard un peu le truc, tu vois. C'est plaisant, quoi. Je sais pas, il y a un petit truc sympa. Mettez tard volant. Il passe à côté de moi, l'allié. Il sert à rien, ce trou de balle. We're going pro Roblox. Non. Quoi? Il est-il? Je suis paumé, mec! I'm pretty sure we can win this one! Il n'y en fait. Oh, y'a que 10 balles là-dedans! Bah oui, c'est celle tout à l'heure. T'as vu le shoot est arrivé? Je te l'ai dit, hein, j'ai commandé le shoot, il est arrivé. Ah oui, d'accord. Oh. L'arme est puissante, mais alors par contre, 10 balles. Il m'a fait peur! Avec mon shoot approximatif, c'est du impas, hein. Mais t'as vu comment les gars, ça joue sérieux, quoi! Genre tu sens que les gars ils sont sur Roblox, c'est pas pour rigoler hein. Mais ça joue sérieux. Voilà, ça dégage. Joueur pro mon pote. Oh la triple feed. Oh my god. Le stress! Oh mais arrête! Oh c'est bon! C'est différent que l'autre, mais c'est tout aussi bon quoi. Par contre, c'est vrai que la concentration elle est à fond quoi, parce que t'es. Bah tu. T'es à fond dedans quoi! T'es à fond dedans! C'est ça qui est bon! Aïe! Ça c'est moins bon ça. En tout cas c'est un bon entraînement pour jouer clavier souris parce que moi j'ai pas du tout l'habitude du coup parce que je joue manette. Mais comme les... on va dire que les mouvements sont relativement simples. Tu vois t'as glissade, courir, machin, etc. Donc... Mais je sais pas où il est... Non mais hey, mec attends, y'a un moment, montre-toi non. Pardon. Oh oh, plaît-il. We take the hill. Ok, we got the hill. Ah mais elle change. Hein? Ouais, c'était un appel. Tue-moi. Il me rend fou ce jeu. Ok, ça arrive derrière. Oh là là, là, je suis à fond dedans. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour la suite. Hein. On gagne, mon petit pote. Bah oui, bah, j'espère bien qu'on gagne. Parce que n'oublie pas ce qu'a dit le prophète. On gagne pas quand on perd. Aïe. Aïe. Hey, ils sont chauds les gars. Ils sont pas là pour rigoler hein.
mort. Mais il avait plus de vie, non? Ou si? Attends, mais... Oh, pompe! Victory! Le plaisir, hein. Modern Warfare version Roblox, c'est encore en démo. Le contenu du jeu est très limité. Mais la prise en main est super bonne. Même moi qui n'ai pas l'habitude de jouer avec la souris. Bon petit entraînement, c'est fun et ça fait plaisir. Et honnêtement, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont donner par la suite quand la démo, quand ce sera plus en démo, quand ce sera un jeu, la version finale. Créer sa classe, voir les snipes, les camouflages, tout ci, tout ça. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce petit retour sur Roblox. N'hésitez pas à partager, suggérer des jeux en dessous de la vidéo par commentaire. Et si tu kiffes et que tu veux plus de vidéos sur Roblox, maximum de pouces bleus, de likes, c'est plaisir, c'est la récompense. Et si tu veux être sûr de ne pas louper les vidéos, mais qu'est-ce que tu dois faire? C'est très simple. Tu peux t'abonner, c'est gratuit. Et activer la cloche de notification pour être sûr de recevoir une notification quand une vidéo sera en ligne. C'est gratuit aussi et ça fait vraiment extrêmement plaisir. C'est un soutien qui est indescriptible. Merci à vous tous vraiment pour ce soutien quotidien absolument incroyable. Et je vous souhaite à vous tous une excellente journée, que de bonnes choses. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.